échappé à des manifestants, des images qui ont fait beaucoup réagir. Regardez. Wütend stürmen hunderte Air France-Angestellte die Betriebsratssitzung ihres Arbeitgebers. Y la aerolínea francesa Air France anunció una serie de despidos a partir del próximo lunes. Des images de colère poursuivent la compagnie Air France. A loud protest outside Air France headquarters in Paris. An assistant manager of human resources had to be rescued. Si vedono un capo delle risorse umane a torso nudo con la cravatta al collo in fuga. Direttori con le camicie rasgate precisarono essere escoltati per sicurezza. Il presidente François Hollande ha condannato delle violenze inaccettabili. Il premier ministro Manuel Valls s'est dit scandalisé e s'est rendu ce matin au siège d'Air France per rencontrer i due cadres pris à partie. La compagnie a porté plainte e une enquête a été ouverte per dégradation e fait de violence aggravée. Notre premier invité è un syndicaliste qui a assisté à la scène, Ronald Noirot. Bonsoir Ronald Noirot. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat CGE-CGC d'Air France. Alors avant de revenir... CFE, pardon, d'Air France. Oui, avant de revenir sur ce qui s'est passé, on va regarder les images qui ont donc choqué le monde entier. Ça, ce sont les images qu'on a pu découvrir, mais vous, vous participiez juste auparavant au comité national d'entreprise, dont l'ambiance était particulièrement tendue. Jusqu'à l'envahissement de la salle, l'ambiance était tendue, certes, parce qu'on s'attendait à des annonces qui, au bout du compte, n'ont pas aussi, été aussi dramatiques que ça. Ah oui ? Je pourrais m'en expliquer, mais une fois que l'envahissement a été prononcé, Xavier Brosetta, le DGRH, a souhaité partir en dernier pour assurer la sécurité de tous les commissaires. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient que leur sécurité, justement, est... Absolument, absolument, absolument. Et vous savez, les effets de foule, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve, malheureusement. Il a eu le grand courage de vouloir affronter cette foule de façon à pouvoir protéger tous les commissaires qui étaient présents dans la salle. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette foule? Que disait-elle? De Juniac démission, vous l'avez entendu... Brosetta démission, on est chez nous, enfin des choses, des slogans qui, lors de la manifestation, avaient pris forme, je pense. Et Brosetta, il a été bousculé, frappé? Ah ben on le voit bien, hein, il a été bousculé. À l'intérieur de la salle. À l'intérieur de la salle, ça a déjà commencé, il a été bousculé et sorti manu militari par des manifestants, et puis ensuite, tout le long du bâtiment d'Air France... ça a commencé par la veste, ça s'est terminé par la chemise, et puis à un moment, les vigiles ont réussi à pouvoir l'extraire de façon à pouvoir le protéger. Ils étaient nombreux, les vigiles, d'ailleurs, pour protéger les participants? Je ne sais pas exactement combien ils étaient, mais forcément, ils étaient en nombre insuffisant par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Et eux aussi ont été attaqués? On a eu deux vigiles de blessés, dont un qui est à l'hôpital toujours, qui a été pendant un moment dans le coma, et je voudrais leur rendre hommage parce que... Pour des gens qui travaillaient de façon ponctuelle chez Air France, ils ont assuré leur rôle avec beaucoup de courage. Vous avez eu peur? Forcément, des mouvements de foule comme ceux-là, on ne sait pas ce que ça peut produire. Et même si ce n'était pas tout à fait une peur panique, moi comme d'autres, on s'était un peu dégagé de cet endroit pour pouvoir regarder un peu ce qui se passait, pour pouvoir... J'ai jamais pensé qu'on pourrait en arriver là. 35 ans dans cette entreprise, je n'avais jamais vu ça. C'était la première fois. Vous avez dit que vous aviez eu peur qu'il se fasse lyncher, M. Brosetta. Ah mais c'était un lynchage qui a failli mal tourner. Ouais. Il n'y aurait pas eu les vigiles. Je pense qu'on n'aurait pas arrêté les fous furieux qui sont responsables de cette situation. Mais vous les connaissez justement, ces agresseurs? Oh, je pense qu'ils vont être identifiés, moi personnellement non, mais ce sont des personnels d'Air France, contrairement à ce que disent certains syndicats, ce sont des personnels d'Air France qui ont été capables de faire des choses comme ça. Certains syndicats disent que c'était quoi alors, des casseurs? Comment sont-ils rentrés? Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les premières images, mais une porte en ferraille assez lourde a été forcés, et puis c'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés. Après, ils sont rentrés dans le siège, et
à nouveau, on a forcé les portes de façon à arriver jusque... Mais il a été dit que certains syndicalistes ont fait des allers-retours entre la foule de manifestants et le comité central d'entreprise pour à la fois exciter et amener, faire rentrer les plus excités ou des manifestants. Alors, c'est ça, vrai ? Ça, c'est autre chose. C'est vrai. Et j'assume totalement ce que je vais vous dire là. Le secrétaire général de la CGT d'Air France a fait des allers-retours entre la salle et les manifestants pour aller donner de fausses informations qui n'ont fait qu'attiser la haine des manifestants. Et quand je dis de fausses informations, le président annonçait qu'il y aurait 2900 suppressions d'emplois couvertes par un plan de départ volontaire pour l'ensemble de ces 2900 pertes d'emplois. Et le secrétaire général de la CGT annonçait 2900 licenciements secs. Et clairement, ça a mis le feu aux poudres. Oui. C'est ça que c'était sciemment qu'il a voulu mettre le feu. C'est pas si c'est sciemment. Sur le contenu. Je ne veux pas causer à sa place. Mais quand on est capable de pouvoir aller affirmer des choses comme ça devant des gens qui sont déjà surexcités, on a une responsabilité ensuite en tant que leader d'une organisation syndicale. On a la responsabilité de ce qui est arrivé après. Donc il y a ceux qui étaient au contact, et puis il y a des leaders syndicaux qui ont jeté de l'huile sur les braises. Ah mais c'est tout à fait ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Ces images, elles ont choqué la presse européenne dans son ensemble, qui a largement repris à sa une des images. Elles ont fait le tour du monde, mais on les retrouve à la une de quotidiens en Italie, en Espagne, en Belgique, en Grèce, où les gros titres expliquent, choqués, que les managers d'Air France ont dû fuir les travailleurs et les syndicats. L'Independent et le New York Times ont choisi la même photo, qui montre Pierre Plissonnier, c'est l'un des vice-présidents qui a été également pris à partie, avec cette légende. Les responsables d'Air France ont perdu leur chemise, jeu de mots de The Independent. Mais cette image, elle fait dire à un internaute qui a ouvert le journal que ça donnait une certaine idée de la France. C'est cette idée de la France qui est donnée à l'Europe. Et Nicolas Sarkozy a lui parlé de chienlit et de délitement de l'État. J'en suis pas là par rapport à ces affirmations, mais il est clair que ces images, elles inspirent de l'indignation, du mépris et du dégoût pour les gens qui ont été capables de faire des choses pareilles. C'est inadmissible de se comporter de cette façon. Le syndicalisme, c'est pas ça. Le syndicalisme, c'est respecter l'homme, respecter des valeurs, respecter... respecter. Il n'a plus de dialogue social au sein de l'Air France. Enfin, quand le président est arrivé pour minorer la portée de son plan B, il avait bien l'intention qu'on puisse de pouvoir ramener les syndicats, dont les syndicats de pilotes, à la table des négociations. Il s'était, alors que tout le monde s'attendait à des licenciements secs, il nous annonçait là, en direct, que ça n'en serait pas. Donc il avait bien l'intention de pouvoir continuer le dialogue social. Vous êtes confiant pour l'avenir de la compagnie ? Aujourd'hui, je suis un peu réservé par rapport à ce que j'ai vu, parce que vraiment, j'ai été très très déstabilisé, comme d'autres. Hein, tous les salariés d'Air France sont vraiment dans un état... on est au lendemain, on a une gueule de bois par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce que des gens d'Air France sont capables de faire. Comment on peut s'impliquer pour essayer de voir, pour aller plus loin, pour défendre les personnels. Et c'est là, aujourd'hui, qu'on a beaucoup de réserves par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui seraient plus... qui auraient plus comme objectif que les négociations n'aboutissent pas. Merci beaucoup, Ronald Noireau.